Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de ce mois de septembre, comme d'habitude, c'est la Vierge qui est aux manettes, deuxième et troisième des camps, et c'est pas votre signe préféré, disons que il y a une obligation de discipline, de respecter des horaires, de respecter des règles. Bon, alors certains s'adaptent, le Sagittaire est un signe qui s'adapte assez facilement, puisque vous êtes un signe mutable, comme on dit. Mais bon, en même temps, ça vous fait un petit peu râler, ça vous ennuie. Cela dit, vous pouvez avoir un objectif à atteindre, avec le soleil dans ce secteur qui est le zénith de votre thème, c'est-à-dire votre secteur professionnel, eh bien vous pouvez atteindre l'un de vos objectifs, c'est très possible. Cela dit, vous recommencez à travailler, ça m'étonnerait que dans les premiers jours du mois, vous ayez une réussite éclatante. Après le 22, le soleil sera en balance dans votre secteur 11, qui est un secteur d'espoir, de projet, on regarde loin devant soi, on n'a pas le nez dans le guidon, on se projette dans l'avenir avec la balance et dans un avenir agréable. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes un des signes les plus optimistes du zodiaque, c'est parce que vous avez ce secteur 11 en balance et que la balance, elle voit les bons côtés des choses. Donc, vous serez forcément... premier des camps, en tout cas, puisque c'est vous qui êtes le plus concerné après le 22, vous aurez de l'optimisme à revendre, des projets qui vous paraîtront tout à fait réalisables et donc vous serez d'une humeur de rêve pour la plupart. Côté activité, c'est très un peu troublant ce... Mars rentre le 4 en cancer, un signe d'eau qui est assez volontaire quand même. Et pour vous qui êtes un signe de feu, c'est un petit peu compliqué. Disons qu'il y a des situations qui peuvent se compliquer justement parce que vous aurez affaire à des personnes qui vous en voudront, vous ne saurez pas pourquoi, qui seront envieuses. Pareil, ce sont des choses que vous... qui peut-être ne vous apparaîtront pas au premier coup d'œil, au premier contact, mais vous vous en rendrez compte au fur et à mesure. Et bon, le meilleur conseil à vous donner par rapport à ces gens, qui peuvent être, il peut y en avoir qui seront manipulateurs, attention aussi. Eh ben, le meilleur conseil, c'est de leur tourner le dos, c'est d'être indifférent, c'est d'aller voir ailleurs. Je veux dire, jamais ne rentrer en compétition ou en discussion avec ce genre de personnage, parce que vous n'aurez jamais raison. Et le problème du Sagittaire, c'est qu'il veut toujours avoir raison. Donc, ça n'aura pas de fin. En conséquence, prenez sur vous, vous serez obligé à un moment ou à un autre de prendre sur vous pour vous sentir libéré de ces personnes qui sont des personnes un peu négatives, pour vous en tout cas, peut-être pas pour d'autres, mais pour vous, elles le sont. Côté cœur, vous avez une excellente Vénus, elle est chez elle, en balance jusqu'au 23, et donc dans votre secteur d'espoir. Alors, si vous cherchez à faire des rencontres, il y a de l'espoir, vous dit Vénus. Vous êtes probablement, vous serez le plus charmeur, vous aurez vraiment des atouts séduction qui seront importants. Le tout, c'est de les utiliser à bon escient et au bon moment. Il faut avoir le bon timing si vous voulez séduire. Maintenant, si vous êtes en couple, je vous promets, vous allez faire des projets extrêmement agréables. Alors, les projets les plus immédiats, aller au cinéma, au restaurant, faire quelque chose à deux qui sort un petit peu de votre routine, parce qu'en période vierge, la routine peut être importante. Donc, des projets immédiats de ce genre
Ou alors des projets plus lointains pour de futures vacances. Vous pouvez aller consulter des sites et voir qu'est-ce qui vous plairait le plus. Après le 23, Vénus occupera le Scorpion, c'est-à-dire qu'elle sera dans votre secteur 12 et que vous serez dans l'attente. Alors peut-être que vous avez plu à quelqu'un, que vous avez fait une rencontre et vous attendrez de voir comment ça se déroule, comment les choses peuvent se développer. Et pareil, en couple, vous attendrez aussi quelque chose. Peut-être un enfant je ne sais pas, de partir en vacances, puisqu'on a, parlé de vacances, et qu'il y en aura forcément au mois d'octobre. Le 6, le 14, le 19 et le 27 sont les meilleures journées de ce mois pour, vous créer des objectifs que vous pourrez atteindre ou en atteindre, hein, bien sûr, et aussi pour faire des projets. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, que vous pouvez aussi nous demander une consultation à Zoé et à moi. Et enfin, que vous avez beaucoup de choix d'astro sur notre site, c'est l'astro.com. Je vous souhaite un très bon mois à tous.